Et coucou à tous, c'est Agence 14 et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur Doctor Who partie 2, la suite sur The Edge of Reality avec ce magnifique TARDIS. Donc continuez. Donc on s'est arrêté ou on s'est arrêté justement à une forêt parce qu'on avait voyagé avec le TARDIS. Ben voilà. Donc continuons cette suite parce que ce jeu vous a énormément plu et moi aussi d'ailleurs. Donc on va le continuer. Alors, donc là, il y a le petit chargement. Alors. Donc, on s'en est arrêté à là. Ok. Ah oui, la petite tablette juste ici. Wow. Ah oui, c'est ça l'anomalie temporelle. Wow, bah disons. Donc on a le Sonic Screwdriver. Oh ok, il y a une tente. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Une batte. Donc là on a une batte. Donc pas mal. Un autre article plus puissant. Ok. Utilise le tournevis Sonic. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc on a le... Ok. Une flashlight. Nickel. Alors par contre, si on veut changer d'objet, comment on fait? Ah oui, on peut, d'accord, on peut changer. Nickel. Donc là, on va utiliser plutôt la lampe. Parce que du coup, on voit pas grand-chose. Donc il y a que ça. Okay. Bon, bah, on va avancer, hein, on va continuer, hein. On va bien voir ce qu'on peut voir. En tout cas, vraiment, les graphismes sont incroyables. J'aime beaucoup comment est fait le jeu. J'espère que vous m'entendez bien. Si je parle bien assez fort. J'ai l'impression d'entendre des Daleks. Je sais pas du tout si c'est des Daleks, hein, mais je pense pas. Ah oui, en fait, on peut éclairer en mieux et en comme ça. Ok. Quelqu'un passer par là. Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai vu quelqu'un passer par là. Je sais pas du tout ce qu'il faisait, mais. Attendez, on va peut-être. Or, ça, c'est. C'est un autre camp, ça. Hein. C'est pas celui-là où on a été voir tout à l'heure. Hein. C'est qu'au niveau des indications, c'est pas trop où il faut aller. Il n'y a pas de... Non, ça c'est le fameux journal. Voilà, qu'on avait vu la dernière fois. Et ça s'arrête au TARDIS. On va continuer par là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir. En vrai, la lampe torche, c'est pas très utile là pour l'instant, parce qu'en soi, on voit bien. Parce qu'il y a les petites lumières comme ça là. Je crois qu'il faut suivre les petites lumières comme ça, je pense.
Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a ça, ça. Et ça, c'est quoi? Aucune idée de ce que c'est, hein, franchement. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autre chose d'autre là? Non, non. Ok, bon, on va continuer, on va aller là. Un petit sous-sol. C'est sympathique. On va peut-être allumer la lumière. Hein. Ouais, parce qu'on voit pas grand-chose. En fait, les ouais, c'est par moment qu'on doit activer la lampe torche. Ouais, ce petit endroit souterrain là. Alors, on a un deuxième comme ça. D'accord. Je sais pas du tout ça va nous servir à quoi. Donc à voir. À quoi ça va nous servir. Ok, j'ai gagné un petit. Comment dire ça? Un trophée, voilà, c'est ça. Oui, il y a des petits... On dirait qu'il y a des petits diamants par terre, je sais pas trop. Ok, on doit se mettre là. Bon, est-ce qu'il faut peut-être utiliser le tournevis? Peut-être, je ne sais pas. Non, pas vraiment. Ok. Non, faut pas utiliser le tournevis sonique sur ça. Non plus. Ah, c'est un ascenseur. Donc ça là. Ah, mais c'est quelque chose qui va se... Ah, il faut peut-être que je mette ça en fait, hein. Alors... Non. Genre, j'essaie de comprendre. Hein. Alors, j'ai peut-être loupé une étape, quelque chose. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, quand je m'éloigne, quand je m'approche, il y a des trucs qui s'illuminent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Thank you.
C'est pas avec ça là? Je pense pas. Ah oui, oui, bah oui, c'est ouais, c'est censé descendre normalement. Mais ouais, d'accord. On n'a pas récupéré ça pour rien, à mon avis, ces trucs-là. On doit s'en servir quelque part, de toute façon. On doit bien s'en servir quelque part de ces trucs. Comment on pourrait s'en servir? Elle m'a dit oui, active l'ascenseur. D'accord, à mon avis, c'est forcément avec ça. Mais là, il y a un petit truc là, donc ça peut être que ici. J'ai vu un bouton interagir. Je sais pas si vous avez vu avec moi. Attends, c'est où? Ah, je le perds à chaque fois. Il y a un bouton interagir. Il y a un bouton interagir. OK. Ça fait quoi si on... Ça fait rouge quand on interagit. Est-ce que c'est avec ça qu'on doit interagir? Alors peut-être parce que j'ai peut-être pas tout... Ça marche pas, ça marche qu'avec le Sonic. Enfin, ça marche pas qu'avec le Sonic, mais... Ah, je comprends pas là. J'ai peut-être pas été partout.
peut-être quelque chose quelque part qui fait que... Ah, mais oui, j'avais pas vu cet endroit. On dirait qu'on peut placer ces... Ok, alors attends. Là, si on regarde bien, ce serait... The plugs need to be placed in the right socket before you can flip the switch and activate the lift. Ah oui, d'accord, c'est pour activer l'ascenseur. Ok. Alors... Et celui-là, il serait... Il serait tout en bas en fait. Enfin non, tout en haut c'est lui, donc tout en bas. Là? Ça veut dire que lui, il est au bon endroit. Il est pas au bon endroit, oui. Attends. Donc lui, il est pas au bon endroit. Ouais, je sais bien, mais... Pourquoi? Mais lui, il est au bon endroit? C'est ça qui me choque en fait. Je sais que lui, ce serait là, là, donc là. Je rattendais ça. Non. Un, deux, trois, un. Mais attends, mais je peux pas les ramasser. The plugs need to be placed in the right socket before you can flip the switch and activate the lift. Attendez, mais j'ai un problème, je peux pas les ramasser. Oui, parce que ce serait... Donc là, ce serait bon. Mais lui, ce serait pas... 1, 2, 3, 1, 2, 3... C'est pas bon, là? Attends. Je veux comprendre, moi. Ce serait pas là. Ah, mais je viens de comprendre en fait. D'autres.
avis, il y en a qu'on n'a pas trouvé. L'histoire des ingénieurs. Ok. Oh, il faut comprendre, hein. Il faut vraiment comprendre, comprendre. Je pense qu'il nous en manque. Il nous manque des... Il nous manque peut-être des diamants, des choses comme ça, des... Alors, s'il nous en manque pas, je comprends pas. Alors, j'ai jamais été là. I'm detecting another glitch, and I think something's trying to get through. Ah. À notre décalage temporel. C'est pas bon ça. S'il y a un autre décalage temporel, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je me disais bien qu'on n'avait pas tout exploré, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas tout exploré. Faut qu'on aille regarder ailleurs. Ce truc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce pins? On a vu ça, l'histoire des ingénieurs, le TARDIS. Ah, les cyber-rappeurs, les origines. Ok. Donc, si vous voulez lire, faites pause, comme d'habitude. Voilà. Donc là, là, ouais. Ok, donc on peut pas aller ailleurs. Deux bleus, deux verts, deux rouges. Donc c'est-à-dire qu'il nous manque un rouge. C'est les deux verts, on les a. Le bleu, donc je l'ai là. Voilà, là, ici. Mais il nous manquerait un rouge, hein, si on suit bien la logique du truc. Il nous en manquerait un. Alors, où est-ce qu'il serait? Eh ben bonne question, c'est pour ça qu'on va aller le chercher. On va aller le chercher quelque part, on va bien le trouver de toute façon pour qu'on puisse activer l'ascenseur. Voilà. Donc c'était par là qu'on allait, ok, par là. On est allé par là? Oui, on est allé par là. Et on n'a rien trouvé ici. Bon, on peut pas aller plus loin. Donc c'est qu'ici, on n'a rien trouvé. Ah bah si, il est là. C'est bon, on les a tous. Ah bah voilà. Bon bah j'ai pas... j'ai pas beaucoup cherché, dis donc. Voilà, donc on a tout. Donc là, normalement, là c'est bon. On peut... activer l'ascenseur. Normalement c'est bon. Donc là on va pouvoir revenir sur nos pas. Donc c'est pour ça hein, vraiment pour ceux qui ont ce jeu ou à qui ça intéresse, il faut vraiment bien chercher et bien aller fouiller partout partout partout, parce que malheureusement bah, après tu t'es bloqué. Donc c'est bien ce qui me semblait, qu'il nous en manquait deux. Quand j'ai vu qu'il y avait deux verts, deux bleus, deux rouges, normalement c'est ça hein.
Donc là, on y va. On va éteindre notre lampe torche qui ne sert à rien. Et on va prendre le tournevis Sonic. Enfin, la lampe torche qui ne sert à rien, si elle sert, mais... Voilà. Donc, le bleu. Alors là, on a. Donc là, on a ça, 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 c'est bon. Le vert, il est de ce côté. Donc il faut le rouge en diagonale ici. Et donc, deux diagonales, donc 1, 2. Et donc, le, il est ici. Donc normalement, là, c'est bon. Là c'est bon. Là on a réussi. Donc c'est parfait. On va pouvoir activer l'ascenseur. C'est ce qu'on veut de toute façon. Voilà. C'est pas être le tournevis Sonic. Ouais. Ah oui, il faut interagir sur les petits trucs là ici. Ah, d'accord, il y a un code. Ouais. Donc en haut, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, donc après c'est ça. Après c'est ça. Après c'est ça. Et après c'est lui. Well done, mate. Yeah. You're a step closer to rescuing me. And to getting your hand on that time crystal. Incroyable. Alors il fallait comprendre là, enfin compte, il fallait comprendre, mais ça va, j'ai réussi, donc c'est cool, on va pouvoir avancer du coup. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications. Ce jeu est super bien, hein, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus d'explications sur ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, il faut quand même bien cherché, bien trouvé. Mais là, on est dans le fameux ascenseur magnifique. On voit pas grand chose, mais je pense qu'on pourra activer la lampe et voir un peu mieux. Voilà. Or, c'est. Waouh, on est. Welcome to the SS Lucia Minor, the largest starship in N space, with over 2000 environments realized for your enjoyment. Wow. Saturne. Sponsored by the friendly assassins of Bulgarius 5. If someone you know is mildly irritating or has the cheek to be more attractive than you are, why not have them incinerated by a member of our helpful customer care team? First target, only 200 Talmars. Terms and conditions apply. We're now passing through Zone 7. Have a nice day. Wow,
Waouh! Incroyable! Artificial gravity systems are now failing. Onboard gravity is different. I remember this place. Me and Jerry used to play cards here. Y'a quoi par là-bas? Oh, y'a plusieurs entrées. The door leading to the bridge is sealed shut. But that's where I'm trapped. You have to find a way to unlock it, so you can get to me. Bah là, on peut rentrer, hein? Va faire fou avec les lasers. Ça va, j'ai pas été trop... Ouh. Ah oui, c'est là. Il faudrait que ça vise quel côté précisément, c'est ça le truc. Ouais, il faudrait que ça vise l'autre côté, hein. Alors. Ok, ce côté-là. Oh non, pas vraiment. Alors, est-ce que ça pourrait viser ce côté-là? C'est vrai qu'après on va viser là, donc c'est pas ouf. Ok, alors attendez. On va. Alors on est bloqué ici. Est-ce qu'on est bloqué là? Oui, ok. On peut passer que par là. Nickel. On peut aller ici. Chamber.
bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Ouais, là ça touche là. On pourrait toucher celui-là aussi, hein. J'en ai deux en plus. Et toucher cela en fait. Là, ça touche rien. En soi, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que ça vient de ces trucs là? Là, il n'y a rien. Ça devrait toucher ici en fait. Même les portes menant au pont. Et que celui-là qui est pas touché là. Ah, c'est compliqué ça aussi. C'est vrai qu'il y en ait un qui touche là-bas, là. Il y en ait un qui touche là, en fait. De toute façon, cela il touche rien. Il y
Bon, là, là, c'est bon. Ouais, mais celui-là. Il n'y en a pas un deuxième ici, quelque part, là? Justement, ça, c'est bon. Bon, là on a déjà été voir. Bon, le problème il vient de là, hein. Pour moi le problème il vient d'ici. Là, ça c'est bon. Mais celui-là, où est-ce qu'on peut le mettre? Oui, c'est ça le truc. Est-ce qu'on peut le mettre là? Et on pense que ça va toucher quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, ça fera rien? Mais oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas le... En utilisant ces panneaux pour reflétrir les lasers. Ouais, je sais. J'ai l'impression qu'il manque des lasers. C'est normal. Manque des lasers, on est d'accord. Ça c'est bon, de toute façon ça c'est bon, ça c'est même sûr. Ok, ça c'est bon. Mais ça ouvre quoi ces deux portes là? Bah ça ouvre rien. Ça ouvre rien ces deux portes là en fait.
Et ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, je pense qu'on trouvera la solution dans la prochaine vidéo, hein, qui sera bientôt. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous avec la cloche de notification. Et je vous dis, bye bye tout le monde.